フランスで風邪をひいてしまった場合、症状や痛みを正確に伝えられますか？Bonjour à tous! C'est Sébastien! このチャンネルを応援してメンバーになりたい方はメンバーになるボタンを押してくださいね。フランス滞在中に風邪をひくことがないとは限りませんよね。今日は会話の中でよく出てくる痛みや病気の症状を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。でも、その前にフランスからオンラインレッスンを実施していますので、ご興味のある方は概要欄のホームページから詳細をご確認ください。チャンネル登録もお忘れなく。Avant tout, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, c'est pour ça que je parle du nez. Une petite question. On dit un mal. Savez-vous comment on dit mal au pluriel? On dit des maux. Un mal, des maux. Retenez bien le pluriel également. Car si vous allez dans une pharmacie en France, il est souvent écrit mot, M-A-U-X, sur les boîtes de médicaments. Être enrhumé, avoir la crève. Quand on a le nez qui coule, on dit qu'on a attrapé un rhume. On est enrhumé. Vous entendrez vos amis français dire « J'ai chopé la crève ». Ça veut dire, dans le langage familier, « Je suis enrhumé ». J'ai attrapé un rhume. Achou ! Ça va ? Non, je crois que je suis enrhumé. Tousser, avoir de la toux. Je tousse, j'ai de la toux. Je suis enrhumé et en plus j'ai de la toux. Tu devrais porter un masque pour ne pas tous nous contaminer. Avoir mal à la gorge. C'est très courant en hiver d'avoir mal à la gorge, donc retenez bien cette expression. Vous aurez l'occasion de l'utiliser dans les conversations avec vos amis ou bien à la pharmacie quand vous demanderez conseil au pharmacien, par exemple. J'ai eu Jean au téléphone. Il a très mal à la gorge, il ne pourra pas venir avec nous au karaoké. Avoir de la fièvre. En France, on dit qu'on a de la fièvre à partir de 38 degrés. Pour mesurer la fièvre, on utilise un thermomètre. Avec un thermomètre, on prend la température. Je me sens pas bien. Un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud. Tu dois avoir de la fièvre. Tu as pris ta température? Avoir mal au ventre. Trop manger, manger quelque chose d'indigeste, être malade, les raisons des maux de ventre sont nombreuses.
Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu as mangé? Attraper la gastro. Avoir la gastro. Gastro est le diminutif de gastro-entérite. Pour les personnes qui vivent en France ou qui ont déjà vécu en France, vous avez sans doute déjà entendu dire vos amis « Je suis malade, j'ai la gastro ». Ben alors, t'es pas venu la semaine dernière? Ouais, j'avais la gastro. Je suis resté 3 jours au lit. Avoir la diarrhée. C'est quelque chose qu'on ne dit pas trop à ses amis, mais il est important de connaître l'expression. J'ai mal au ventre et j'ai la diarrhée. Vomir. Paul a vomi. Il ne se sent pas bien. Attraper la grippe. Quand on attrape la grippe, en général, on a tous les symptômes que nous venons de voir. Fièvre, vomissement, diarrhée, mal à la tête, mal au ventre, courbature, ce n'est pas très rigolo. Paul n'a vraiment pas de chance. Apparemment, il a attrapé la grippe. Voilà, en gros, les expressions et les mots que vous entendrez dans les conversations courantes. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de maladies. Mais là, on rentre dans un français trop spécifique. Minasan, dou deshita ka? Chinami ni furansu no kyūkyūsha samu o yobu ni wa jū o dayaru shite kudasai ne. Shitsumon ya kansō nado komento nan de oshiete ne. Kōhyōka, channeru tōroku, share mo お忘れなく では、また次回の動画でお会いしましょう。Au revoir les amis.